6, puis à partir du 4e, en fade out. Est-ce que vous avez vu qu'est-ce que j'ai fait? On lance la plante. Mais silencieusement, on a avancé sur. Ouais, il y a un petit demi-ton là. Ouais. Attends, puis juste avant que ça finisse, il y a une petite une déboulade là, de drum. Ta-da-da-da-da. Tout le monde s'en vient. Ok, je pense que ça marche vocalement. Faisons-le dans la mise en scène maintenant. Quelques mois là, qu'on est en répétition tous les dimanches pour ce spectacle-là. De 9h à 4h, 4-5h à tous les dimanches. Tout le monde est super impliqué. Puis, c'est des gros projets avec peu de moyens, avec peu de temps, avec des étudiants qui n'étudient pas là-dedans. Il faut le dire, hein, au collège ici, il n'y a pas de programme de danse, il n'y a pas de programme de musique. On a heureusement un programme de théâtre, fait que ça fait en sorte que c'est des jeunes qui vont vraiment faire du travail personnel pour arriver à qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'on n'a pas le temps, nous, de les entraîner. Hein. On monte la pièce, on va les diriger du mieux qu'on peut avec leur talent à eux. Là. Fait que, ouais, c'est des gros projets. Hey, j'ai besoin d'aide pour amener la deuxième plante. Ici. C'est l'histoire de Simon Temmens, qui est un jeune fleuriste. Il découvre une plante, mais il se rend compte un petit peu trop tard que la plante, elle se nourrit pas juste d'eau. Faut que tu la places vraiment, là. Ben là, on va l'essayer, là, mais faut que tu places vraiment sur sa main pour qu'elle soit capable d'attraper. On va avoir trois versions de la plante marionnette. La première plante, c'est une belle marionnette qui est manipulée dans un pot, elle a une tige, puis c'est seulement la bouche ici, c'est comme ça qui fonctionne, fait que c'est une manipulatrice. On a la deuxième, Audrey 2, qui est grandeur nature, grosse tête. Puis ça, c'est une autre manipulatrice qui va la jouer. La troisième plante, qui est aussi manipulée par une fille, mais qui n'est pas manipulée par la chanteuse. Puis là, c'est là où est-ce qu'on a eu besoin des appareils de marionnettiste. On a une espèce de grosse ceinture sac à dos en métal. Ça a été le plus gros défi. Ben, moi, qu'on les attache complètement, là, qu'on fasse un bum puis qu'on les attache. Petit fils dont j'aimerais tant que si tu trouves un métier pour exploiter tes talents, tu seras un dentiste. Bon, je suis prêt. On a fait beaucoup d'heures supplémentaires, y compris les techniciens qui font pas initialement partie du projet. Là, ils n'ont pas été avec nous depuis janvier. Eux sont ici depuis le début d'entrée en salle. Mais tout le monde a mis la main à la pâte pour y arriver. On a fait des heures supplémentaires. Les étudiants se sont couchés à des heures pas possibles cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a? Le panneau du dentiste qui est tombé. Ouais. C'est long. Je suis ici. Si j'arrive, je te pousse. On part en courant. Faire moins de bruit en coulisses parce qu'il y a quelque chose qui se passe à la scène. Ça a été quand même un stress parce que les étudiants finissent l'école à 6 heures. De 6 heures à 7 heures et quart, c'est vraiment pas assez pour avoir le temps de souper, de se préparer, de se maquiller, de mettre son costume, faire ses presets, puis de faire des raccords sur scène. Nous, on fait tout le temps ça, des raccords avant un spectacle. Le stress est haut, là, en ce moment. Je vous aime. Bravo, articulez bien, profitez, donnez au public, donnez tout ce que vous avez, on est là pour ça, puis surtout, ayez du fun, puis on se revoit bientôt, je vous aime. Alors, par respect pour les artistes et les autres spectateurs, nous vous prions d'éteindre la sonnerie de votre téléphone cellulaire ou téléavertisseur. L'utilisation d'appareils photo, audio ou vidéo est interdite pendant le spectacle. Merci de votre collaboration et bon spectacle.